Bonjour, alors j'attendais la fin du rugby pour faire ma vidéo sur les 12 coups de midi, et puis voyant que le match s'éternisait, donc puis bon moi, comme je vous dis, moi le rugby, on s'en bat les rugbignoles, puisque bon pour moi le rugby c'est l'après-midi ou le soir. Le matin, je suis plutôt câlin. J'attendais, et puis ce qui s'est passé, c'est que comme le rugby s'est terminé un petit peu tard et puis qu'après il fallait rajouter la publicité, eh bien ils n'avaient plus le temps de mettre les 12 coups de midi, comment dire, qui avaient été enregistrés. Donc eh bien du coup ils nous ont mis un best-of. Donc bon voilà, ça peut être rigolo. Mais bon moi je vais pas regarder. Donc voilà. Et puis déjà je pense qu'ils vont perdre pas mal de téléspectateurs à cause de ça. Donc je suis sûr que le rugby ne va pas cartonner et que en plus ils vont perdre comment dire, des téléspectateurs sur comment dire, sur les 12 coups de midi. Donc déjà, il y a déjà 1 million de personnes qui ont disparu, puisque bon hier par rapport à l'émission d'hier, donc il y a eu 3 millions 2 au départ, quand la veille c'était 4 millions. Rendez compte. Pour le départ de Popol, donc c'était vraiment, comment dire, ils ont vraiment perdu 1 million. Et puis j'ai vu ça sur Twitter, il y a une chaîne qui s'appelle Tout Info Télé. Et donc bon comme on a pu voir, donc les 12 coups de midi étaient à 3 millions 17. Bon voilà. Et par contre, tout le monde veut prendre sa place, c'était 1 million 7. Donc peut-être qu'aujourd'hui l'émission va être à plus, parce que bon comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas regarder l'émission. Donc voilà. Et puis sinon même Jean-Luc Reichmann sur Twitter, il nous passe plein d'extraits tous les jours, il nous passe des extraits de Paul, puisque bon en ce moment il n'y a pas grand-chose. Donc bon, Jean-Charles, il est sympa, mais bon, à part le fait qu'il mesure 1,98 m et qu'il soit chômeur, donc voilà. Alors sinon, pour celles et ceux qui connaissent Marion, qui était une ancienne candidate, qui fait des vidéos sur YouTube, donc elle va interviewer Popol. Donc si vous avez des questions à poser à Popol, donc je vous mettrai un lien sous la vidéo, et puis donc voilà, elle va noter toutes les questions, etc., etc. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors comme on peut voir donc sur la gauche, donc vous avez donc la plage, et vous avez aussi donc un taureau. Donc la plage, donc c'est la plage d'Oran, puisque Étienne Dao, pardon, est né à Oran. Et alors le taureau, il y a plusieurs explications. Donc il y a la Queen Marie de Troyes qui m'avait, et puis Jean-Luc Dudou aussi, qui m'ont dit que c'était parce que Étienne Dao avait fait un concert à Nîmes. En 2014, je crois, où il a eu pas mal de problèmes techniques, etc. Ils sont été excusés. Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont dit comment dire, que Étienne Dao habite pas loin de chez moi, à Montmartre. Hein, ça, je vous l'avais dit avant. Et il habite dans la maison où avait habité Buffalo Bill quand il était venu en France. Sauf que bon, Buffalo Bill, c'était plutôt les bisons et pas les taureaux. Et puis Popol m'a dit que c'est parce que aussi à Oran, il y a des arènes avec de la tauromachie. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. Et puis sinon je vais faire une autre vidéo un peu rigolote par rapport à l'actualité. Et puis comment dire, par rapport à ma chaîne Le Millionnaire, donc je vais, comme les émissions vont devenir un petit peu monotones les jours à venir, donc je vais bosser un petit peu plus dessus. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment gagner aux courses sur un truc qui marche des fois. Donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai un lien sous la vidéo et je vous expliquerai comment faire pour peut-être gagner à 15 h. Il va y avoir un tiercé et vous verrez peut-être que avec mon truc, vous pouvez gagner. Donc voilà. Et puis pour finir, donc comme ce soir sur TF1, il y a King Kong. Donc ça c'est le t-shirt, c'est le dernier t-shirt que j'avais offert à Paul, donc voilà, qui est King Kong. Et donc j'avais mis King Kong comme un candidat, et puis plein de petits trucs. Et puis le t-shirt, on s'en bat les rugbignoles, parce que franchement, autant j'aime bien le rugby l'après-midi ou le soir, mais franchement le midi c'est pas trop ma came. Et puis encore, pour les fans de Wikipol, hein, le t-shirt, tout ça sur le site romillon.com. Et puis sinon, donc sous la vidéo, donc je vous mets le lien
Donc, pour Marion, pour comment dire, pour ma chaîne Le Nez Lyonnais, et puis aussi pour mon site de t-shirt. Voilà. Bon, et puis en plus, il fait super beau, donc ça m'arrange qu'il n'y ait pas d'émission. Allez, bye bye.